Bonsoir Rachel, voici la correction des devoirs. So, une baleine mesure 15 mètres, un nouveau-né, newborn, mesure 50 cm, une main d'adulte mesure 20 cm, la tour Eiffel mesure 310 mètres, une piscine olympique mesure 50 mètres, le Mont Blanc mesure 4808 mètres. 808 mètres, hein. La statue de la liberté mesure 33 mètres. Okay. Lundi, c'est le premier jour de la semaine, deuxième jour de la semaine, quatrième jour de la semaine. Janvier, c'est le premier mois de l'année, le troisième mois de l'année et le cinquième mois de l'année. Très bien. C'est la première émission, il est 7h30. C'est le journal TV. En fait, en général, en France, c'est 20h. Il est 20h. C'est la météo, il est 8h. C'est la dernière émission, il est 23h30. Ok. Comparatif. Il fait plus chaud à Rome qu'à Prague. Il fait moins chaud à Marseille qu'à Rome. Le vin coûte autant que la bière. Le Coca coûte plus que le vin et la bière. Coca-Cola is 10 mil. What kind of wine is it? What kind of beer is that? Février a moins de jours que mars, mai a autant de jours que mars. Salle A a plus d'élèves que la salle B. Salle A a autant d'élèves que la salle C. Très très bien. Salle A est plus grande que salle B. Salle B est aussi grande que salle C. Wow. En été, il y a beaucoup de soleil. Il y a plus de soleil en été qu'en hiver. Un fast-food a plus d'enfants qu'un restaurant. Un restaurant a plus de fast-food qu'un a plus de fast-food a plus de plaques qu'un fast-food. Ok. Et la conversation se passe au 14 juillet. Ok, ça c'était, ouais, on l'avait fait ensemble. Ça finit à quelle heure? D'où vient-elle? Par où est-ce qu'on doit passer? C'est ouvert jusqu'à quelle heure? Avec qui est-ce que vous allez au bal? Okay. Feu d'artifice, défilé militaire, le bal. Et ben voilà, ça c'était pour là, les devoirs. Et là, il faudra revenir à communication, page 42. Exprimer une obligation. Donc ici on parle de je dois. Donc je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Je t'avais demandé de faire l'exercice 5 à la page 43. Donc on revient sur communication. Deux secondes. Communication, où es-tu? I'm like 50 files open right now. So. Communication. Non, ça c'est avancé, communication avancée, on n'en veut pas. Et voilà, donc la page 42. On va voir si c'est la bonne page. Exprimer une obligation. Dans une administration. Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quel papier est-ce que je dois apporter? Je ne sais pas, vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? Je ne crois pas, mais vous devez demander à l'ambassade. So, une administration, to express an obligation. Donc ici, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé pour ça. Ici, tous les verbes sont suivis avec une préposition. Aller à Paris, à Naples, donc c'est une ville, hein. Arriver à l'ambassade, dîner au restaurant, venir à la poste, c'est féminin, commencer plus infinitif, commencer à travailler, commencer à dormir, arriver, it's like to succeed, to achieve, how can I express that? It's like to succeed on doing something. Okay. Je demande à mon ami, ask somebody, je demande à mon ami, téléphoner à quelqu'un, parler à quelqu'un, parler à ses voisins.
Donc une ambassade, un consulat, une administration, un bureau, un office, un passeport, un visa, un papier administratif, un document, faire la queue devant un guichet, it's to wait in line in front of a counter, la bureaucratie. Le verbe devoir, so that means have to, must, or also to owe something. Qu'est-ce que je dois faire? What should I do? What must I do? What do I have to do? Vous devez aller à la mairie. You must go to the city hall. Tu dois préparer tes valises. You must prepare your suitcases. Il faut plus un nom. Il faut un visa. Il faut une carte de séjour. C'est la même chose pour tout le monde. It's the same thing for everybody. Il faut plus infinitif. So it's a verb. Il faut bien parler français pour être étudiant à l'université en France. You must speak French very well to be a student in the university, in a French university, basically. Il faut prendre une assurance pour la voiture. It's necessary to take an insurance for a car. Okay. Donc c'est la même chose pour tout le monde. It's the same thing for everybody. Okay. I think. No, we didn't do it actually. Nicolas voudrait un. Non, non, we did it, but I didn't put the answers for some reason. Nicolas voudrait un nouveau passeport. So let me do it actually because yeah, I'm gonna do that. Non, c'est faux. L'employé travaille à l'ambassade du Canada, c'est faux. Un visa est obligatoire pour aller du Canada aux États-Unis. She said she doesn't know, but I think you're gonna need one, no matter what. They ask for a visa for everybody now. C'est vrai. I must be wrong, but I think it's right. Nous dînons à la maison. Il arrive. What's going on at starting at 10:46 p.m. I am exhausted. Il arrive à Lyon, so city. Elle commence à comprendre. She's starting to understand. Okay. Je vais au cinéma. Ils partent aux États-Unis. Elle va à l'aéroport. Nous téléphonons à la banque. Tu parles aux employés. Okay. Le guichet est un document, c'est faux. Un visa est nécessaire pour aller dans certains pays, c'est vrai. On peut obtenir un visa dans une ambassade, c'est vrai. Un consulat est un bureau. Well, we can say a consulate is an office, hein, yeah. Le passeport est une administration, non. Okay. Now, je dois aller au consulat pour obtenir, to get mon visa. Il faut un passeport pour aller en Grèce. Nous devons demander un visa. Il faut une assurance pour pouvoir conduire une voiture. So is it necessary to get an insurance to be able to drive a car? Il faut payer ses impôts. Must pay your taxes. Je dois apporter tous les documents nécessaires. I must bring all the necessary documents. Il faut aller à l'école à partir de 6 ans. Must go to school starting at 6. Vous devez, you must, wait in line. Faire la queue. Okay? Well, that's pretty much it. Hein? You have a wonderful week. I'll see if I can make the transcript right now. I still have two recordings to make, two transcripts to make before going to sleep. Au revoir, bonne nuit, Rachel.